Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Si je touche, j'achète dans plein de magasins et là on est à McDo, du coup let's go. Donc là Luna va passer sa commande à l'aveugle. Voilà, et elle m'a demandé quand même de lui mettre un menu enfant. Oui, parce que sinon je mangerai pas les grands menus. Bah oui, voilà. Bon, du coup tu mets le bandeau. Là, ça sera soit Happy Meal, soit livre. Ah non, mais t'inquiète pas, je vais cliquer sur Happy Meal et après on fera le truc. Donc voilà, je lui ai mis. Alors en fait, ça se trouve par là, t'as tout ça. Donc à toi de prendre un sandwich. Ah là, faut que tu touches un sandwich. Je sais pas, t'en as un là et un là. Non, pas annulé. Allez, faut que t'en touches un au hasard, vas-y. C'est plus haut. Et une boisson, attends, je vais mettre toutes les boissons. Et voilà, là, tu touches une boisson, peu importe. Non, c'est plus haut. Voilà, et un dessert. Donne ta main. Oh. Là, c'est soit un. Là, t'as. Ah bah voilà. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Tu regardes de ta commande tout de suite ou dans la voiture? On fait la surprise jusqu'à la voiture? Ou tout de suite? Tout de suite. Alors. Croque McDo, ce que je voulais. Voilà ce qu'elle a commandé. J'ai tout ce que je voulais à part la glace. Ouais, la glace t'aimes pas et les potatoes t'aiment pas non plus. Si, j'en voulais. T'en voulais pour une fois? Oui. T'en prends jamais d'habitude. Oui, mais en fait, maintenant j'aime plus trop les trucs. Hein. Et jouer, j'ai pris que jouer seul. J'ai que. Non, jouer. T'as pris un jouet, t'inquiète pas. Ouais, j'ai pris un jouet. Du coup, moi je vais passer ma commande et à puis. On se retrouve après. Tu peux la faire? Ah bah non, mais moi je peux pas à l'aveugle. Oh. C'est que toi qui dois le faire. Bon, allez. Tout de suite. Donc du coup Luna voulait un dessert. Hop. Et elle hésite entre ça. Donc du coup elle va choisir l'aveugle. Vas-y. T'es prête? Non, t'as rien touché. C'est plus haut. Voilà, t'as choisi. Donc là on est revenu dans la voiture. Papa était commandé aussi. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai touché. Donc la glace, parce que j'ai un peu goûté pour savoir si elle était bonne, et elle est toujours trop bonne. Avant je disais à papa, non mais j'aime pas être fumée. C'est vrai que d'habitude tu prends jamais de glace. Tu prends soit des pommes, c'est ça? Oui. Donc d'habitude tu prends des pommes ou un yaourt. Oui, ou des fois une des glaces au M&M's. Ouais mais t'en prends pas dans le menu enfant. Non. C'est toujours à part. Voilà, c'est à part dedans. Et avec maman, on partage à chaque fois. Voilà. Bon, du coup, tu nous montres ce qu'il y a dans ton Happy Meal. J'ai touché une glace. Donc, j'ai touché aussi, vu que j'arrivais pas à choisir entre sucre et chocolat. J'ai pris le chocolat, je sais pas. Ouais, allez, ça a l'air trop bon. Ouais. Donc, du coup, Luna va vous montrer ce qu'elle a touché dans son. Il y a des frites dans mes potatoes. Ah bon? Bon, regarde. Il y a des frites. Ah ouais, il y en a une. Il y en a même deux. Bon, tu nous montres. Alors, j'ai pris aussi ça. Et en fait, Maël... Un croque McDo. Oui, et Maël, en fait, il croyait que c'était pour lui. À chaque fois, il fait... je veux ça, je veux manger Luna. T'as eu quoi d'autre, du coup? T'as touché quoi d'autre? Des potatoes. Ouais. Avec deux, trois frites dedans. Ok. Ensuite, j'ai touché une seule potatoes. Bah non, mais ça c'est moi qui a appuyé dessus parce que c'est la sauce qu'on mangeait avec les potatoes, voilà. Pas de ketchup, pas d'autre sauce, c'est que la sauce potatoes. Et un jouet. Alors t'as eu quoi comme jouet? Alors je ne sais pas, hein. Et bientôt je les donnerai à Maëlle. J'ai celui-là qui joue du... Et le deuxième c'est un... Et le deuxième c'est ça. On l'a pas celui-là. Non, on n'en a pas. Et peut-être que ma femme, ils ont les mêmes. C'est vrai. Et du coup, il y a aussi ton iced tea. Oui, j'ai touché de l'iced tea glaçon. Voilà. Bon, bah, du coup, on va manger. Et puis, bah, on se retrouve dans un autre magasin. Bah, allez, peut-être pour continuer la vidéo. Je pense qu'on va aller chez Jiffy, chez Primark, chez Emma, peut-être. Ouais. Bon, on verra bien
suivant le monde qu'il y aura en fait. Voilà, et je toucherai des choses. Voilà, les yeux bandés. Je voulais aussi vous dire que je suis désolée pour ma voix. Ça fait déjà plus 4-5 jours déjà que j'ai la voix cassée. Oui. Aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux qu'hier. Hein. Oui, et aussi, maman était sur le médecin. Et il m'a donné des antibiotiques. Voilà, donc voilà. Et dans une vidéo, elle avait dit, maman, que dans une semaine, elle aura la voix plus cassée. Voilà. Et ça commence un petit peu. Hein. Allez, mieux. Voilà, ça commence. Donc voilà. Bon, c'était la petite parenthèse du jour. Bon, du coup, on se retrouve ailleurs. On va bien manger. Donc là, nous sommes dans un rayon. Alors Luna ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Oui. Donc vas-y, tu vas toucher un objet. Alors là, c'est... Non, là, c'est moi. Ah. C'est de l'autre côté. Voilà, touché. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai mis en plus parce que sinon, c'est trop haut pour elle. Tu regardes? T'aimes bien? Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc là, Luna, en fait, elle hésite entre tout ça. Du coup, bah, elle va choisir à l'aveugle. T'es prête? Et du coup, c'est vers le bas ou vers le haut? C'est vers le haut. Attends, je te mets vers le haut. C'est tout là, comme ça, tout là, tout là, tout là. Vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est... t'as déjà touché. Hein. Oh, il est moche. Il est moche. Hein. Ah, tant pis, tu dois l'acheter. Ouais, ça va, ça va. On y va? Mais c'est pas trop cher quand même. Oui, voilà, ça va. Donc maintenant, on est chez Jiffy. Et j'ai changé parce que l'autre, elle était beaucoup trop grande. Voilà, l'autre écharpe était trop grande. Du coup, elle a pris une écharpe à sa taille. Voilà. Et je vous rassure, on ne voit pas à travers. Ouais. Quand on la double bien. Là, donc du coup, tu dois toucher des articles. À l'aveugle. Voilà, donc, et acheter ce que tu toucheras. On va faire, en fait, je vais me border les yeux. Mais en fait, c'est maman qui va me guider. On va aller dans un rayon. Mais peut-être qu'elle va me faire le tour du magasin et tout, mais aller dans le même rayon. Et en fait, je dois pas deviner le rayon, en fait. Je dois pas regarder. Voilà, en fait, Luna ne connaîtra pas le rayon parce à l'avance. Dit, en fait, voilà. Ça sera mieux, c'est mieux comme challenge, non? Bah, oui, j'ai vu ça en plus quand il faisait comme ça, il y a un souris. Il était trop là. Ok, on ça marche. Va. On y va. Donc là, je vais emmener Luna dans un rayon. Elle ne sait pas où on va. Des choses voilà. Avance. Donc, est-ce qu'on va ici? Je ne sais pas. Alors, attendez. Je vais déjà peut-être commencer par un rayon qu'elle pourrait aimer. Et puis après, je l'emmènerai dans des rayons qu'elle déteste. Ça sera plus drôle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Voilà ce qu'il y a. T'es prête? Oui. Tourne trois fois. Oula, t'as failli tomber. Du coup, t'en as touché moi, deux en même temps. Je veux pas regarder. Tu veux pas regarder? Non. Bon, bah voilà ce qu'on a pris. Alors, celle-là, elle est ouverte. Celle-là, elle est ouverte. Bon, celle-là, elle est à peu près bien. Donc, du coup, voilà le premier truc qu'elle a touché. Donc, on va passer dans un autre rayon. D'accord, bah vas-y, attends, je vais lui remettre son bandeau. J'emmène Luna dans un rayon. Allez, viens par ici, attention. Allez, tourne trois fois. Tu m'as emmené dans un rayon de voiture. Bah oui. Ah, j'ai regardé alors que je voulais pas. Bah tant pis, bon bah c'est pas grave, elle a trouvé. Autre. Toucher celle-ci pour les petits frères et du coup on va en acheter une deuxième pour le deuxième petit frère. Alors, c'est moi qui choisis. Bah là tu peux choisir, vas-y choisis une pour tes petits frères. Ok, je choisis à l'aveugle. Bah vas-y, remets ton bandeau, vas-y, choisis à l'aveugle. Peut-être que c'est la bonne. Tu nous montres. Waouh. Je veux pas savoir ce que tu as. Ok, donc on va dans un autre rayon. C'est parti. Donc en fait Luna a repéré des coussins. Et elle ne sait pas lequel choisir, donc du coup elle m'a dit maman le fait à l'aveugle. Ouais. T'es prête? Mais si je touche un truc vers là. Ah bah si tu touches un truc vers là, bah on prendra un truc qui est là. T'es prête? Non. Allez vas-y. Du coup là on a repris des choses qui sont en haut des donuts. Ouais, on a remis des donuts parce que. Il y avait que ceux-là et ceux-là. Ouais, il y avait deux modèles, on a remis plusieurs, donc on verra ce que ça donne. T'es prête? Alors attendez, avant je vais faire un changement. Pas qu'elle sache.
Je vais en changer quelques-uns. Donc voilà, j'ai mélangé. Je vais aller chercher Luna. Allez, viens. Ouais, tu en as rajouté un. T'es prête? Oui. Alors attention, il y en a plusieurs devant toi. Le premier que tu touches, tu l'achètes. Tu voulais celui au chocolat. Ouais. Tant pis. On peut en acheter un autre. Tant pis. Non, c'est le jeu. En plus, c'est pas cher, cette chose. On touche, on achète. C'est pas cher, en plus. Hein. Non, ils sont vraiment pas chers, là. Ils sont moins 70%. On a plus ça pour les petits frères. Et on a acheté ça aussi pour les petits frères à part. Ouais. Voilà. Et le donuts en plus. Voilà. Oh, on y va? Non, ça fera trop de plus sur mon lit. Ah bah, c'est ça. Bon, on va dans un autre rayon. Donc là, j'ai emmené Luna dans un rayon de déco parce que j'avais envie d'une nouvelle déco pour ma maison. Du coup, Luna, tu vas tourner 3 fois et tu vas trouver une déco pour maman. Et je suis sûre que tu m'as emmené dans une déco que tu aimerais bien que je touche. Oui. Allez, tourne 3 fois. Fais attention parce que c'est des choses qui cassent ici. Montre. Oh, c'est trop beau. Bon, j'avoue que j'aurais préféré qu'elle touche ça, ça. Encore le gros pot, mais bon. C'est un gros pot, j'adore, je le trouve super canon. Non, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Elle a touché ça. Et voilà. Bon, du coup, on prend ça? Ouais. Bah, les go, c'est parti. Donc là, j'ai emmené Luna dans un rayon de boissons et de gâteaux. Du coup, bah, vas-y, tourne 3 fois. Allez, vas-y, cherche-nous quelque chose. Ah, tu toucheras rien. Hein. Non, tu toucheras rien. C'est sur les côtés qu'il faut aller. T'es encore loin. Non, c'est la bordure. C'est les prix. Jus d'orange ou mangue. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant, pardon. Bon, bah, tant pis, on est obligé de l'acheter, hein. On y va? Alors Luna, j'ai très faim, je veux des gâteaux. Est-ce que tu peux nous trouver des gâteaux? Bah vas-y, tourne 3 fois. Et vas-y, avance. Bon là, t'es sûr que tu ne toucheras rien. Faut que tu ailles sur les côtés. Attention, il y a quelqu'un. Attends. Vas-y, essaye d'aller sur le côté. Petit délice, les petits beurres. Ça va, c'est bon. Moi, on aurait pu tomber sur pire, même si toi t'aimes pas. Bon bah on les prend. Oui. C'est parti. C'est parti, on y va à la caisse. Et donc voilà, nous sommes rentrés à la maison et je vais vous présenter tout ce que j'ai touché. En premier, j'ai touché une sorte de Jenga mais Tsum Tsum Disney. Donc c'est de 2 à 4 joueurs et c'est de 6 ans et plus. Donc ensuite j'ai touché une petite voiture noire et bien sûr on en a pris une autre parce qu'il y a 2 bébés dans ça. Voilà, vu qu'il y a des jumeaux, ils allaient se battre pour avoir la voiture. Donc elle est très très jolie en tout cas. J'ai touché un énorme donut à la fraise, trop beau. On a pris vraiment des vrais donuts. C'est vrai. Et pourquoi on a choisi les donuts de toucher les coussins? Parce que Luna en fait elle les trouvait trop beaux. Et il y avait plusieurs modèles et elle ne savait pas lequel prendre. Du coup, bah, elle s'est dit pourquoi pas le toucher à l'aveugle. On aurait vraiment dit des vrais, vrais, vrais. C'est vrai, ils sont trop beaux. Et pareil, ça chez Jiffy. Je les aime trop. Donc ensuite, j'ai touché une lampe chez Jiffy, bien sûr. Donc ça pourra être sympa de la mettre dans ma chambre. Oui, elle est très jolie et en plus, elle est lumineuse. Oui, donc là vous voyez en fait, elle s'allume en bleu, vert, normal. Il y a un peu toutes les couleurs en fait. Violet et rouge. Donc voilà, elle est hyper belle. Chez Primark, j'ai touché un carnet comme ça. Un lot de carnets Disney. En fait, Luna ne savait pas dans quel rayon on allait. Donc d'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo. Moi qui lui ai donc choisi un rayon. Et j'ai pris quelque chose qu'elle pourrait aimer et que bah, moi aussi j'aimais bien. Et du coup, bah, voilà, elle a touché les petits carnets Mickey. Oui, il y en a 3 en tout. Donc il y a celui-là. Donc ça, ce sera pour moi.
celui-là et celui-là. Donc ces deux-là, ce sera pour maman vu qu'elle adore écrire là, des cahiers. J'adore, c'est vrai. Elle a des cahiers, elle a au moins 105 000 cahiers remplis. C'est vrai, remplis. Je marque tout le temps des choses dans les cahiers, moi j'adore ça. Des idées de vidéos, des... Les courses à faire, les rendez-vous, enfin vraiment tout. Voilà, tout. Donc tiens maman. Merci. Et si je pourrais te donner le troisième, vu que t'adores écrire. Oh, c'est gentil, merci. Alors, chez Leclerc, j'ai touché du jus d'orange à la mangue. Non, c'est pas du jus d'orange en fait, c'est moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est du jus de mangue, voilà. En fait, on n'en a jamais acheté, donc du coup, en fait, nous on a cru au début que c'était du jus d'orange. Mais non, c'est du jus de mangue. Donc on goûtera et puis on verra bien si on aime bien en fait. Et si on n'aime pas? Bah si on n'aime pas, bah tant pis, peut-être que quelqu'un d'autre à la maison aimera bien. Et j'ai aussi touché des petits lus. Des petits lus, oui, c'est comme des petits lus en fait. Les petits beurre. Les petits beurre au chocolat. Tablette chocolat au lait. Mais ceux-là ça va, j'aime bien, toi t'aimes pas. Mais tes petits frères ils adorent ça. Ouais, et donc ça va. Oui, il y a plusieurs goûts après. Je sais pas, il y a pas en fait. On a chocolat au lait, il me semble. Oui, chocolat lait. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, ciao, ciao!